Talard est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Talardiens. La commune est située à 15 km au sud de Gap, au bord de la Durance, au point où celle-ci, sortant d'une série de défilés creusés dans les Marnes, s'oriente progressivement vers le sud pour aborder une zone moins encaissée, où les cultures s'étendent dans la plaine alluviale, de part et d'autre de la rivière, jusqu'à Sisteron. Cette situation en fait une place de contrôle naturel des circulations venant du sud. Surtout le cours de la Durance, Talar est une des rares communes dont le territoire est situé de part et d'autre de la rivière. La commune est cependant beaucoup plus étendue sur la rive droite. Zone de basse colline arrosée par le Rousine, petit affluent de la Durance qui conflue à la pointe sud de la commune. À Talard même, la Durance est particulièrement calme, régulée par le barrage de Serponçon, situé à une vingtaine de kilomètres en amont, et délestée de la majeure partie de son débit par le canal de Ventavon. La prise est juste au-dessus de Talard. Et surtout par le Grand Canal EDF, souterrain depuis Rochebrune, qui se jette dans la Durance juste au sud du village. Huit communes sont limitrophes de Talard, dont deux appartenant au département limitrophe des Alpes-de-Haute-Provence. Communes limitrophes de Talard Nef, Châteauvieux, Lettré, Sigoyer, Fouillouse, Venterolles, la Saulce, Curban dans les Alpes-de-Haute-Provence. Talar est située à la jonction de deux axes majeurs de desserte de la région, la route nationale 85 venant de Grenoble par Gap, prolongée au sud par l'autoroute A51, vers Sisteron et Marseille, et la départementale 942, qui draine les circulations en provenance de Lubaï. Barcelonnette, et de la Haute-Durance, vers Briançon, traverse le village de Talard, et rejoint la RN 85 peu avant l'entrée de l'autoroute. Le territoire communal est également traversé par les routes départementales 45, vers Châteauvieux, 46, reliant le centre-ville à Nef et à Gap vers l'ouest, puis de la RD 942. À Curban à l'est de la commune, en direction du sud. Typologie. Talar est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Talar, une agglomération intra-départementale regroupant deux communes et 2388 habitants en 2017 dont elle est ville-centre. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Gap, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe 73 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européennes d'occupation biophysique des sols, Corinne Land -Cover, CLC, est marquée par l'importance des territoires agricoles, 58,9% en 2018, néanmoins en diminution par rapport à 1990, 61,4%. La répartition détaillée en 2018, est la suivante. Zone agricole hétérogène, 31,3%, forêt, 23,6%, terre arable, 22,1%, zone urbanisée, 5,9%, culture permanente, 5,5%, zone industrielle ou commerciale et réseau de communication, 5,2%, milieu à végétation arbustive, et ou herbacée. 3,6%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 2,8%. L'évolution de l'occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée, sur les différentes représentations cartographiques du territoire. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, de 1820 à 1866 et les cartes photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle de 1950, à aujourd'hui. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous les formes Talarno et Talarnom en 739, Talardom en 1271, du gaulois Talo, signifiant front. Et qui a donné le français talu, ou du gaulois tala, signifiant terre. Ce nom pouvait signifier terre haute, en référence à sa situation géographique d'alors, sur le flanc de la colline au nord du village actuel. Histoire. On a retrouvé au XIXe siècle un dolmen près de l'aérodrome, dont une des pierres est exposée au musée départemental de Gap. Ce qui témoigne d'une population présente dès la fin de la préhistoire. Moyen Âge. Entre le VIIIe siècle et le Xe siècle, les Sarrasins venus de Provence étaient redoutés pour piller et saccager sur leur passage. Après de nombreuses exactions, dont l'attaque de Mailleul de Cluny, en 974, ces Sarrasins furent décimés par Guillaume Ier de Provence, et chassé définitivement de la région. Sous le règne des princes d'Orange, les Talardiens descendent dans la vallée et élevèrent une tour en bois en haut d'une butte, tour de défense, sous laquelle la population se réfugia peu à peu, pour se protéger mais aussi pour son côté pratique en matière de commerce. C'est plus tard l'emplacement du château. À partir du Xe siècle. Talar se protège des brigands et des voleurs en élevant des remparts dont on peut voir encore les traces. Le Rhinodia, ruisseau qui vient du nord, encercle les remparts et des portes qui venaient s'appuyer contre les murailles permettaient de pénétrer dans le village. L'entrée se faisait à la porte belle, dont demeure la maison du gardien. C'est lui qui autorisait ou interdisait le droit de passage dans le village. Les princes d'Orange accordent une charte de liberté aux Talardiens en 1209. Les Talardiens gardent les clés de la ville. Dans la guerre de l'Union d'Aix, son successeur Louis II Trient se rallie aux Angevins en 1385, après la mort de Louis Ier. Les hospitaliers. En 1215, Tiburge. Veuve du prince d'Orange et son neveu vendent tous les droits et la seigneurie de Talard aux hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui pratiquent la charité, en tant qu'ordre militaire et religieux. Les moines soldats protègent les pèlerins et les voyageurs. Leur commanderie siège pendant 107 ans. En 1326, les hospitaliers échangent Talard contre le comté d'Alif, Royaume de Naples. Arnaud de Triand, neveu du pape Jean XXII et jusque la comte d'Alif, devient donc à partir de cette date, vicomte de Talard. Le château. Arnaud de Triand, 1280-1350. Fut le premier seigneur de Talard. Il va créer une imposante forteresse. Avec l'édifice préexistant à savoir le corps de logis seigneurial flanqué de tours notamment du donjon. Sa petite fille Anne de Triant, seule héritière, épousa en 1375 Antoine de Sassenage. Ils deviendront les nouveaux seigneurs de Talard. Leur fille unique, Françoise, épousera en 1439 Antoine de Clermont issu d'une grande famille du Dauphiné. Héritier du château, Bernardin de Clermont, 1440-1522, qui épousa une riche héritière Anne de Husson-Tonnerre, en 1496, va agrandir le château en y ajoutant la salle des corps de garde, la chapelle seigneuriale, le châtelet d'entrée, le parc de la Garenne et les écuries du château qu'il va faire construire en dehors du château, dans le village médiéval, par manque de place. Durant les guerres de religion, les Clermonts s'exilent, le château est mis sous la gouvernance de Bonne d'Auriac. Après avoir été la cible de 25 ans de combat, le château a été affaibli. En 1600, Bonne d'Auriac. 1550-1636, racheta le château, puis son fils Camille d'Austin, 1652-1728, héritier par sa mère, va en être le nouveau propriétaire. Il est maréchal de France sous Louis XIV et n'est pas souvent présent au château. En 1692, le duc de Savoie, ennemi de Louis XIV, attaqua le château et le village avec ses troupes, le château va être quasiment détruit et sera laissé à l'abandon jusqu'en 1897, où Joseph Roman, un historien archéologue, le racheta. Il va classer la chapelle monument historique, va mettre une toiture d'appoint sur la salle du corps de garde pour éviter qu'elle ne s'abîme, et va reboiser le parc de la Garenne. En 1927, Blanche de Clermont-Tonnerre, qui passait dans les Alpes, apprend que ce château appartenait à ses aïeux et le racheta. Elle s'installe à Talard avec sa petite-nièce, Marie-Christine de Bourbon-Sicile. À sa mort en 1944, sa nièce hérite mais elle n'a que 10 ans et elle est éduquée ailleurs. Dans les années 1950, le prêtre Richard Duchamblot, demeurant à Talard, soucieux du patrimoine de la ville, décide de sauver le château. Il retrouve la petite nièce de Blanche de Clermont-Tonnerre. Il faudra attendre sa majorité, 21 ans, pour que la commune rachète le château en 1957. À compter de cette date, des restaurations sont entreprises. 1961, la toiture de la salle du corps de garde est refaite. 1964, restauration de la chapelle Saint-Jean. 1968, consolidation du cœur du logis seigneurial, puis classement de l'ensemble du château en 1969. 1988, restauration de la tour des escaliers. 1999, restauration des courtines. 2012, début des travaux de restauration de la salle souterraine à la salle des gardes. Le village. Après les guerres de religion, au XVIIe siècle, les entrées des maisons, qui s'appuyaient contre les murailles, s'ouvrent peu à peu. Des ouvertures sont pratiquées, d'abord à l'étage, puis au rez-de-chaussée. Lorsque le ruisseau du Rhinodia, qui se jette encore dans la Durance, est recouvert d'une voûte. Autrefois, la Durance arrivait au pied du village de Talard. Pour accéder à leurs terres, les paysans étaient obligés de traverser la Durance à l'aide d'un bac, tel qu'il en est attesté en 1291. Un autre est établi pour la desserte du hameau des Boulonjons à partir du bourg. Pour 20 passages par jour au XIXe siècle. Un passeur faisait traverser la rivière à la porte Durance. À la Révolution française, on dévit le lit de la Durance pour accéder directement aux jardins, qui sont surnommés les conquêtes. En 1860, le premier pont qui traverse la Durance est construit puis emporté par la crue des 31 mai et 1er juin 1877. Dans le centre historique, les ruelles étaient très étroites, tellement étroites que l'on pouvait se faire passer des affaires en tendant une corde entre les fenêtres des maisons. Aujourd'hui encore cette pratique perdure. Dans certaines maisons, les caves communiquaient entre elles. C'était un moyen stratégique. En cas d'attaque, de se déplacer sans être vu. La placette était la place principale du village. Elle y réunissait les commerces tels qu'un marchand de chaussures, une boucherie, trois épiceries, une matelassière ou encore un ferblantier. Un puits était présent à l'entrée de la rue. Ses vestiges sont visibles depuis les caves. Il a été rebouché pour des raisons de sécurité et de circulation. À partir de 1960, le petit bourg perd de son intérêt et les commerces s'installent à l'extérieur des remparts, sur l'esplanade. L'ancienne mairie du village se situait au bout de la placette, à l'angle de la rue Chevalerie et de rue Du Mazel, qui abritaient les triperies. En raison des odeurs nauséabondes et du manque de place, la mairie est déplacée en 1912 dans les locaux actuels de la poste. Cette maison fut appelée la couronne, la mairie occupant les locaux du premier étage et la justice de paix le rez-de-chaussée. La mairie est ensuite déplacée en 1980, sur la place Charles de Gaulle, à l'ancien emplacement de l'école communale. Talar était le siège, de 1992 à 2016, de la communauté de communes de Talar-Barcillonnette. Depuis le 1er janvier 2017, elle fait partie de la communauté d'agglomération Gap Talar Durance. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires, étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2004. En 2020, la commune comptait 2295 habitants, en augmentation de 11,35% par rapport à 2014. Pour mémoire, les Hautes Alpes, plus 0,52%, la France, hors Mayotte, plus 1,9%. Manifestations culturelles et festivités, chaque avant-dernier week-end d'août, Talar accueille le rallye du Gap Racing, organisé par l'Autosport alpe Val de Durance, Azavde, parc d'assistance à l'aérodrome, PC et parc fermé au collège. Les spéciales se déroulent dans le Los et Aceuse. Chaque dernier week-end de janvier, Talar accueille les infrastructures du rallye hivernal des Hautes-Alpes. Talar a également été ville étape du Tour de France 2014. L'établissement de l'aérodrome date de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est dans les années 1960 à 1980 qu'un nouvel essor pour la commune s'est manifesté avec l'arrivée successive des activités aériennes. Baptême de l'air en planeur, vol en parapente, ULM ou autogire. Tour en montgolfière, saut en parachute en tandem ou en chute libre, survol hélicoptère, stage de pilotage. Lieux et monuments. La commune est candidate au label Ville d'Art et d'Histoire. Le château de Talard, érigé au XIVe siècle et classé monument historique depuis 1969. On peut y visiter la chapelle seigneuriale surmontée de la statue de la Trinité, la salle du corps de garde, la salle des chevaliers, et aussi les vestiges du logis seigneurial ainsi que la crypte de la chapelle. L'église Saint-Grégoire, classée monument historique depuis 1931. On peut y admirer les fonds baptismaux, les orgues. Le buste de Saint-Grégoire, la chair, la quatre quart, une stèle de forme marquée ou rectangulaire sculptée d’une ou deux plusieurs croix accompagnées souvent d’un décor ornemental, parfois de figures humaines et d'inscriptions. Spécificité de l'art arménien, il était autrefois présent sur tout le territoire de l'Arménie historique et est aujourd'hui particulièrement préservé en Arménie et au Haut-Karabagh, et la nef centrale ornée de six tableaux retraçant la vie de Saint-Grégoire. Monument commémoratif. Le parc de la Garenne, classé parmi les sites pittoresques du département depuis 1958. Le jardin dit les jardins de conquête. La coopérative vinicole de Talard. L'aérodrome de Gap, Talard. Personnalité liée à la commune. Sainte Grégoire de Talard, évêque d'Amnis en Grande Arménie, devenu pèlerin et évangélisateur dans les Alpes du Sud, mort et vénéré à Talard en Dauphiné, fêtait le 21 septembre. Bernardin de Clermont. 1440 1522 Vicomte de Talard, Chambellan de François Ier et Trésorier général du Dauphiné. Camille d'Austin, Duc de Talard. 1662 1728 Duc de Lesdiguières, Maréchal de France et Père de France. Antoine Mouresse, 1827-1887, éditeur et imprimeur en Égypte, né à Talard. Richard Duchamblot, 1906-2003, prêtre, résistant, a contribué à la sauvegarde du patrimoine de la commune. Héraldique, blason de Talard. D'or, à la bande componée, de sinople, et d'argent de 5 pièces.